Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo. Olvans, Chaussea. Et à l'intérieur, il y a du Kiabi. Et ouais, il fait beau, on avait envie de renouveler un petit peu la garde-robe, la mienne et celle des gamins. Je porte mes petits bijoux de chez Eora. Petit smiley rose et petit smiley bleu. N'hésite pas à faire un petit tour sur ma page et sur ma boutique en ligne. Je te mets les liens en barre d'informations. Une petite nouveauté qui me va bien, j'adore. Toutes les amoureuses des flamants roses, le petit bracelet flamingo avec coquillage ou avec petite médaille boussole. Celle-ci que j'aime beaucoup avec les petites perles un peu pailletées, un petit peu brillantes avec le petit smiley. Petite nouveauté chez Eora traditionnelle. Hop, avec ces petites perles qu'on aime bien. Donc je les fais en bleu et blanc. Merci pour toutes vos commandes, merci pour tout votre soutien sur la boutique. Je suis en pleine création du site internet et je galère, mais quand je te dis je galère, mais je galère à mort. C'est pas pour moi. Comme j'ai dit à mon formateur, parce que c'est une formation que je paye moi avec mon compte CPF, il y a des gens qui sont doués pour faire des bijoux, comme moi, et il y a des gens qui sont doués pour faire des sites internet, pas comme moi. Franchement, c'est une formation que je regrette amèrement d'avoir prise. Si j'avais su, j'aurais confié ça à quelqu'un de plus doué et de beaucoup plus patient parce que c'est des trucs qui sont très très techniques. Je dis pas, il faut avoir des connaissances en internet, des connaissances voilà, en WordPress, en tout ce que tu veux. Mais voilà, il y en a qui sont formés pour ça et moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, mes petits bijoux, Eora, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique en ligne, lien en barre d'informations. Et n'hésitez pas si vous voulez une personnalisation. Un bijou quelconque, ou si vous voyez celui-là et que vous voulez un autre truc à la place, n'hésitez pas, vous me mettez un petit message. J'ai créé une messagerie pro exprès pour la boutique, donc c'est en barre d'informations, c'est eorabijoux@gmail.com, tout simplement. On passe à mon petit haul. Donc chez Vans, j'ai envie de me faire plaisir. Je cherchais sur Vinted une petite paire de Vans, mais alors pareil, sur Vinted, c'est 50 balles. Pas neuve, là je l'ai payé, je crois, je suis sûre, mais je l'ai payé 40 balles sur le site de chez Courir, c'est des old school. Je les trouve trop belles, donc j'ai fait une pointure 37. Ça, les Vans, j'en avais, j'avais plein, j'aime bien même les lacets off the wall, même les lacets, ils sont marqués. J'en avais quelques paires quand j'étais petite, dont les fameux sneakers à damier, tu vois, noir et blanc. Ça, j'aime bien, franchement. Et Courir, parfois, ils font de... Ouais, 37. Courir, ils font de bonnes promos. Il y a des moments, tu vas en magasin et tu vas payer ta paire de pompes plein tarif. Et il y a des moments, tu vas sur leur site et ils font des ventes privées, des offres exclusives et tu as ce que tu veux en beaucoup moins cher. Donc, moi, je les trouve sublimes. Franchement, elles sont trop, trop jolies. Ensuite, chez Chaussea, du coup, j'étais lancée sur mon truc de Vans, de tout ça. Donc, hop, bon, je vous montre, ça c'est des petites chaussettes que j'ai pris pour Céline, petites chaussettes de basket, et ça c'est des petites chaussettes tout simples pour moi que j'ai pris. Petite paire de semelles, indispensable. Alors, d'abord j'ai pris celle-ci, pareil, en imitation Vans, que j'ai payé 14,95 €. Moi je te parlais de celles-là, les Vans à damier, blanches et noires. Donc, quand j'étais plus jeune, j'en avais. Je sais pas ce qu'elles sont devenues. Je les avais pas payées cher en plus, c'est ça, c'est que c'était des produits qui étaient quand même beaucoup plus abordables à notre époque, enfin, il y a 30 ans quand j'en portais, que maintenant quoi. Donc j'ai pris des petites paires noires comme ça. Hop, j'ai pris une petite bague. Elle est très 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 sympa. J'aime me faire plaisir quand des petits bijoux comme ça. Donc, cette petite paire-là, et j'ai pris, pour se rapprocher, alors à 17,95 €. C'est pareil, c'est une imitation Vans, mais blanche. Tu vois, je la trouve belle aussi. Celle-ci, tu vois. Donc là, j'ai mes baskets pour cet été et pour l'été prochain, probablement. Comme j'achète pas beaucoup de... Je suis pas tongs, je suis pas tout ça. Il y a quelques années, j'étais beaucoup paire d'espadrilles, plus du tout. Plus du tout. J'arrive plus à marcher avec, en fait, tout simplement. Donc voilà, petite paire blanche et noire, comme ça. Ça en fait du bazar derrière moi, ça en fait. Ensuite, on va passer chez Kiabi. Kiabi où j'avais, enfin les gamins vont bientôt partir en vacances avec leur père, n'ont plus de shorts, n'ont plus rien, donc je suis passée pour acheter un petit peu de vêtements, pas très cher, sachant que les soldes cette année ont été reportés. À 8 euros, j'ai pris ce petit short pour Sylvie, j'aime beaucoup la couleur, ça fait partie de leur collection éco-conception, c'est avec les matières recyclables là je crois. Et jaune comme ça avec des petits paniers dessus. Franchement, il est très sympa. Et pour Cylian, comme pour moi, à chaque fois que j'achète un t-shirt, j'aime bien, à chaque fois que j'achète un bas, j'aime bien sortir avec un haut. Donc du coup, je lui ai trouvé ce petit-là. Donc il met du 6 en haut et du 5 en bas. C'est pareil, ça fait partie de leur gamme éco-conception 2 euros.
avec son petit ananas steak, cool summer vibes. Je le trouve très sympa. Ensuite, pour le bas, j'ai pris celui-ci à 9 euros avec des petits dauphins gris. Le short est gris, les petits dauphins sont bleus. Et pour aller avec, j'ai trouvé celui-ci, pareil de la gamme Éco-Conception. Hey buddy, que j'ai payé 3 euros. Là, pour partir, tu vois, tu laves, tu mets sécher, une heure après, c'est sec. Franchement, bien. J'ai rajouté un petit t-shirt. Je sais plus, y a plus d'étiquette dessus. 6 ans, mais je pense que c'était 2 balles, 2 ou 3 balles aussi. Pareil, éco-conception, 100% coton issu de l'agriculture biologique. Voilà. J'aime bien parce que la gamme, elle est bonne. Et les t-shirts, ils sont bien parce qu'il en a encore de l'année dernière de cette gamme-là. Et franchement, ils tiennent dans tout. Ils tiennent. Ça, c'était pour Siam. Taille S, Mandalorian. Donc, c'est les t-shirts à 12 balles. This is the way. Je me demande si je veux pas le piquer, ça. Bon, comme je suis très fan du Mandalorian. Voilà. Prochaine. 14 ans. J'ai trouvé des petits boxers. Je les ai trouvés très beaux. Lui, c'est un tueur de boxers, très clairement. Voilà, j'ai pris du 14 ans, 14-16 ans. Passe, hein, c'est des calbars. Tout simplement, ils sont pas chiants, ils veulent pas de marque, ils s'en foutent. D'habitude, je pense ceux de chez Action, mais ceux de chez Action, n'étant pas très cher, ne durent pas très longtemps. Hélas, j'ai pris des trucs pour moi, dont ce petit t-shirt un peu crop top de la taille S. Ça, je mets ça, je vais mettre ça pour faire mon petit sport et puis c'était traîné à la maison tranquille. Coton bio, vêtements réalisés avec 100% de coton bio. C'est la collection Smiley World. Vous savez que je suis très fan de Smiley. Sur Ewa, on est très fan de Smiley en ce moment. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai pris une taille S avec le tie and dye là. Oh, il est sublissime en bleu comme ça. J'ai pris pour pas aller avec ou aller avec, j'en sais rien. Pareil, pour traîner à la maison, pour dormir, pour faire mon sport en taille S. Le bleu Bermude. 7 euros. T-shirt. Comme ça. Très chouette. Voilà. Et pareil pour porter en dessous d'un vêtement, faire sport, même aller à la mer. Pareil, taille. C'est une taille S que j'ai pris. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. Il n'y a plus d'étiquette, mais ça devait être 6 balles. C'est un espèce de petit bustier. Voilà. You're stronger than you think. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Et ça, c'est vrai. Ne doutez pas, les filles. Franchement, quand vous doutez, vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous croyez. Voilà. Hop, et ben voilà, c'était tout pour ce petit haul Kiabi, Chaussea et Vans. J'espère que vous l'avez apprécié. Hop, les petits tickets. Ça, c'était le ticket de quoi? C'était le ticket de Chaussea. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, juste là. Et on se retrouve aussi sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Ewa, créatrice de bijoux, vous m'encouragez dans cette nouvelle vie totale, puisqu'avant j'étais salariée, maintenant je ne le suis plus, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ma boîte, et franchement j'en suis très 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 contente. Il y a plein d'obstacles à franchir que je franchirai, mais je suis fatiguée en ce moment, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, super fatiguée, mais c'est pas grave, on va y aller, il fait beau, le moral est là, vibes, positive vibes. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.